Duchamp sur le côté. Il cherche un coéquipier. Mais défensivement, c'est parfait. Et la frappe, c'était presque au fond. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Chaud. Un long ballon vers l'avant. Bien donné. Dans la profondeur, il reçoit le ballon. Le centre est tendu. Ah, finalement un centre qui ne donnera rien. Il décide d'allonger le jeu. Il la joue dans la surface. Coup de sifflet, hors jeu. Ah là là, ça se joue à pas grand chose. Oui, ballon perdu. Seul mais sans réussite. Diego. Oh, quel caviar! La frappe! Oh, il bute! Le but! Et il passe devant! Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit. Une passe pas assez appuyée. Il surgit, il va au bout. Magnifique. Les voici avec un but d'avance. L'écarte, il joue sur l'aile. C'est centré. Et il y va de la tête. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Récupère ce ballon, mais il n'arrive pas à frapper. Oh oui, la tentative. Oh, il a failli en profiter. Il est beaucoup trop long ce centre. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Décision aussi. Il avance bien. Oh, très bon ballon. Oh, le bon ballon. Qui est bien placé. Oh, la frappe. Oh, ce ballon qui traîne, il peut frapper. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. Les voilà avec 2 buts d'avance. Ils ont creusé l'écart. Et s'ils allaient en chercher un autre? Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. C'est parti! Diego. De la jouer dans l'espace. Énorme occasion. Il peut encore frapper. Et ça finit au fond. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué long. Attention. Oh, l'intervention magnifique. Oh, le gardien est là. La classe. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Et ce sera un corner. Ce sera le premier corner du match. Il réussit à centrer. Il met la tête. Oh, c'est dedans.
Ça pourrait devenir un match d'anthologie. Ne comptez surtout pas sur moi pour pronostiquer le résultat final. Un centre parfait, une tête réussie, c'est simple comme ça le foot. Qu'est-ce que c'est bien joué ça, comme quoi pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. Plus patient dans la construction. Balancer un ballon comme ça, à quoi bon? Il file dans l'axe. Il a le champ libre. Il file au but. Allez, c'est dangereux. Mais il rate le cadre. C'est joué long. Attention, la frappe. On a désormais dépassé le temps additionnel annoncé. Centré dans la boîte. Il faut se projeter maintenant pour trouver la faille dans la défense. Et c'est au fond! Quel comeback! Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Ils y ont cru jusqu'au bout.